Koulibaly Alimata, directrice d'entreprise agroalimentaire, transformation et valorisation des produits de pipiers, présidente du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire. Et nous venons de suivre une belle formation sur l'annexe fiscale 2021 grâce à la Fédération ivoirienne des PME de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai retenu, c'est une annexe difficile et applicable pour le secteur informel et pour les petites entreprises, notamment les entreprises agro-industrielles qui sont à une étape qui elles doivent changer d'échelle. Pour changer d'échelle, il faudrait alléger la fiscalité. Et à 5%, je trouve que le taux est quand même élevé parce que le chiffre d'affaires est... Il peut ne pas être conséquent et prendre 5% du chiffre d'affaires. J'aurais souhaité qu'on puisse prendre 5%, pourquoi pas 2% du bénéfice. Et là, ce serait une réalité. Ça va permettre d'encourager l'entrepreneuriat dans notre pays, éviter l'augmentation du coût de la vie, parce que ce qui va se passer, les entrepreneurs dans l'agroalimentaire vont augmenter les prix des denrées alimentaires. On cherche la réduction de coûts des denrées alimentaires. Il faudrait aussi encourager le passage du secteur informel vers la formalisation. Un impôt de ce genre ne fera que décourager et encourager, je dis bien encourager, du passage de l'informel à l'informel pour fuir la fiscalité qui pèse trop sur les entrepreneurs. Je vous remercie.